Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de mon guide ultime pour réussir les défis de chaque semaine de cette incroyable saison 4. Vous l'aurez compris, nous allons voir ensemble comment accomplir les tout premiers défis en quelques minutes. Pas de blabla inutile les potes, commençons tout de suite. Pour ce premier défi, pas de surprise, il va falloir ajuster votre tir pour toucher vos adversaires. Si j'ai bien un conseil à vous donner, ne cherchez pas à tout prix à compléter ce défi, il se fera tout seul avec le temps. Autre conseil pour ceux qui sont moins doués avec ce type d'armes, chopez le fusil de précision semi-automatique et spammez les tirs sur vos adversaires. De toute manière, il n'est pas nécessaire d'éliminer vos adversaires, seulement de faire 500 de dégâts au total. Vous en êtes capables les potes, je crois en vous. Second défi, et là vous en avez l'habitude, il va falloir fouiller des coffres. Autant vous dire que la tâche s'avère compliquée tant que la semaine de défi n'est pas terminée. Vous allez croiser de nombreux joueurs qui ont la même idée que vous. Petit conseil d'amis, rendez-vous à Hotten Hills lorsque le bus est très éloigné de cette destination, vous aurez plus de chances d'être seul sur les lieux. Ce défi est tout simplement le plus simple de cette semaine. Récupérez un fort de poche et lancez-le. Enfin, voilà quoi. Voilà les potes. On passe à la suite. Enfin, un défi original. Montrez à quel point vous kiffez Fortnite et mettez-vous en quête de toutes les lettres qui composent le nom du jeu. Bon allez, rien que pour vous, voici les emplacements de chaque lettre. Vous n'aurez aucun mal à les trouver en vous fiant à cette carte que j'ai conçue exprès pour vous et que vous pouvez récupérer dans la description de cette vidéo. Ah, les cartes au trésor sont de retour! Voici l'emplacement de la carte à Tomato. Comme dans la saison précédente, vous n'aurez pas besoin de trouver la carte. Vous pouvez vous rendre immédiatement au trésor qui se trouve à Loot Lake sur l'embarcation qui s'est pris visiblement un rocher dans la gueule. D'ailleurs, il se trouve juste à côté avec deux coffres. C'est cool, non? Ça peut paraître étrange, mais éliminer des ennemis au pistolet n'est pas si difficile que ça, croyez-moi. Pour ce défi, récupérez un pistolet, silencieux ou non, c'est pareil. Et la technique est simple, entamez votre adversaire avec une arme et finissez-le au pistolet. Vous compléterez ce défi au fur et à mesure du temps, sans même vous en rendre compte, donc ne vous prenez pas la tête. Dernier défi de cette semaine est certainement le plus compliqué, parce qu'il va falloir éliminer des adversaires à Flush Factory. Comme la moitié des joueurs risquent de faire comme vous, je vous recommande d'y aller quand la destination est un peu éloignée ou d'attendre quelques jours pour que ça se calme. Voilà les potes, c'est tout pour cette première série de défis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau guide qui aura pour objectif de résoudre les défis de la semaine 2. N'hésitez pas à poster en commentaire pour partager votre avis sur ce nouveau pass de combat. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu et à bientôt. Ciao !